depuis une bonne dizaine d'années, ces 10% disparaissent de notre salaire tous les mois. C'est-à-dire que ça nous fait 200 euros de moins tous les mois sur notre salaire. Voilà. Il ne faut pas confondre l'augmentation salariale que qu'on peut discuter en fin d'année et puis une remise à niveau de notre salaire. Tous nos collègues des réseaux de France, pratiquement tous, sont beaucoup mieux payés que nous. Et il faut savoir que même un conducteur de camion ben aujourd'hui de déchets gagne plus que nous. Donc aujourd'hui, on ne peut plus accepter ça. On ne transporte pas des déchets, on transporte des usagers. On leur doit un service public de qualité. Et pour obtenir un service public de qualité, il faut que les salariés de ce service public soient rémunérés à leur juste niveau.